Grande tournée européenne avec le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Le ministère de la Compassion des âmes, MCA, organise une grande tournée européenne sur 2 mois dans les pays suivants. La France, l'Autriche, la Suède, l'Espagne, la Grèce, la Norvège, la Belgique, la Hollande, l'Angleterre et enfin l'Allemagne. Notez bien, la tournée démarre en novembre 2017 et prendra fin en janvier 2018. Le prophète Joël Crasso prie tous les comités d'organisation de chaque pays cité de bien vouloir prendre contact au numéro suivant. 00 337 80 860 057, 00 337 62 402 484. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons la parole de Dieu. 1 Samuel, le chapitre 10, à partir du verset 2. D'abord le verset 1 et le verset 2. 1 Samuel 10, le verset 1 à 2. 1 Samuel chapitre 10, verset 1 à 2. Samuel prit une fiole d'huile qui le répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit : L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Selsac. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus qu'aux ânesses, mais il est en peine de vous, et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regardez la parole de Dieu. Vous savez, dans cette parole, c'est Samuel. Samuel était le prophète. Il y a eu le temps, n'est-ce pas, de roi. Et après le temps des rois, les juges plutôt, il y a eu le temps des prophètes. Les prophètes étaient, n'est-ce pas, le prophète était l'intermédiaire entre les êtres humains et Dieu. Voilà, donc Samuel était l'un des plus grands prophètes établis d'Israël, n'est-ce pas, qui donnait la révélation de Dieu sur beaucoup de choses. Vous savez d'abord comment Samuel est né. Il est né de Anne, n'est-ce pas? Anne qui, n'est-ce pas, était stérile, n'est-ce pas, qui voulait un enfant. Elle était mariée à Elkana qui avait 2 femmes, qui avait Pénina et Anne. Pénina faisait des enfants et Anne ne faisait pas des enfants. Elle allait dans le temple pleurer. Il y avait le sacrificateur Élie. Donc c'est là que Dieu l'a exaucé. Elle a dit, mais si je mets l'enfant mort, je vais l'appeler Samuel. Or la signification de Samuel veut dire l'Éternel entend. C'est-à-dire Dieu entend votre prière. Amen. Amen. Voilà, donc elle fait l'enfant, elle le consacre à Dieu. Donc elle dit définitivement, cet enfant sera dédié à Dieu. Et donc le ministère de Samuel, c'est un ministère très puissant qui a apporté, n'est-ce pas, à partir de lui, qu'il y a eu, n'est-ce pas, l'établissement du règne de roi, si la royauté sur Israël. Comprenez? Donc il était en plein service lorsque, n'est-ce pas, il voyait Samuel, n'est-ce pas, Saül. Quand Saül cherchait, n'est-ce pas, des ânesses de ses pères. Or, le prophète, à cette époque, le prophète, et comme d'habitude, le prophète est un voyant. Donc il s'approche du prophète, n'est-ce pas, pour avoir la connaissance des choses spirituelles, d'où, n'est-ce pas, étaient partis les ânesses. Dès qu'il approchait, n'est-ce pas, Samuel a vu la révélation de ce qui était dans sa vie, c'est-à-dire la royauté, n'est-ce pas, qu'il devait être roi. Donc, aussitôt, Samuel l'a oint comme roi. Amen. Voilà, l'a oint comme roi. Il n'était pas venu pour être roi, il n'était pas bien préparé à ça. Mais du coup, Samuel l'a oint comme roi. Et puis regardez ce qui va se passer. Samuel dit, dès que tu me quittes, et tu verras quelqu'un près du sépulcre de Rachel, n'est-ce pas, qui va te montrer le chemin à suivre, n'est-ce pas? Et tu trouveras les ânesses, et puis ton père te dira, c'est fini mon fils, et ainsi de suite. Amen. Alléluia. Amen. Regardez un peu la vie de ce monsieur, qui, n'est-ce pas, qui était dans le désespoir. N'est-ce pas, qui avait perdu quelque chose de très cher. Comme il respectait son père, il voulait, n'est-ce pas, plaire à son père, il voulait forcément trouver quelque chose, n'est-ce pas, qui était cher à son père parce que c'était des bergers. La richesse de son papa, il venait de perdre quelque chose de très cher. Son père était attaché à ses animaux. Donc il part voir le prophète. Or, en lui, il y avait quelque chose qui était différent des autres. C'est pour cela qu'il faut comprendre qu'en vous, il y a souvent des choses qui sont différentes des autres.
C'est pour cela que par moments les autres vous combattent. N'est-ce pas? Amen. Chacun d'entre nous a une étoile. Or, ce n'est pas tout le monde qui voit ça. Mais les sorciers ont cette capacité de détecter votre étoile. Ok? Ils ont cette capacité de voir ça. Les rois mages ont vu l'étoile de Jésus. Ils ont vu l'étoile de Jésus. Ils ont dit, attends, l'étoile qui vient de briller appartient à un roi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés vers qui? Hérode. Ça les conduit vers Hérode. Ils sont allés dire, parce que c'était le roi à cette époque, pour dire, Hérode, nous venons de voir l'étoile d'un roi. Quand Hérode a entendu cette parole, il a été troublé en lui-même. Attends, vous laissez ma royauté? Il y a quelqu'un d'autre qui doit être roi? Il est troublé. Ok. On dit tout Israël avec lui. Quand vous lisez un peu la parole de Dieu dans Matthieu, on dit tout Israël. Ça dépend de comment il a balancé l'information. Lui, il est troublé. Maintenant, il cherche les gens avec lui. Il dit, mais comment moi je peux être roi et puis on m'établit un autre roi 6 mois. Or, au lieu que la nouvelle édifie le roi, ça le trouble. Or, il y a des informations que tu apportes aux gens. Au lieu qu'ils soient contents, ils sont attristés. Parce qu'ils ont détecté en toi quelqu'un qui est bon. Ils détectent que tu dois régner sur eux. Donc, le roi, il ne voit pas un roi, mais il voit le règne du roi, celui. Celui et sa descendant. En quoi c'est mauvais? Mais du coup, il dit non. Il faut que je mette fin à ça. Dis amen. Amen. C'est ça qu'il faut savoir à qui tu parles. Ils sont allés parler, mais ils ne savaient pas que le monsieur à qui ils annonçaient l'événement, cette bonne nouvelle, lui, il a pris ça comme mauvaise nouvelle. Mon fils a eu son visa. Hein? Il va en France. Hein? Il est en France. Koubli. Ah, mais Koubli. Oui, Koubli. Canaille. Combien la même là, France là, ça veut dire il y a l'argent. Pourquoi les gens quand ils pensent que quelqu'un voyage en Europe, il a déjà l'argent? Pourquoi? Demandez aux gens. Je suis fond là-bas, demander. Va au témoignage. Faut les saluer un peu, vous allez comprendre. Salut les, tu vas comprendre. La mer est bien sec en bas. La mer dure. Assez de tensions, dans les gens s'y nettoyer, en train d'enlever le couche-chété, que Dieu nous aide. Amen. Mais l'argent est mieux que pour nous, bien. Mieux que pour nous. Amen. Amen. Deux temps. Il va en France. Vous devez bien, hein? Où tu es bien, où ça va? Michel le Canari. Michel le Canari. Pour gâter. Bon, elle t'a annoncé la bonne nouvelle. Elle est content. Toi, tu vois en toi, il va réussir. Mais attends. Donc, il est venu ensemble. Son enfant n'a qu'à gâter, quoi, ou bien. C'est toi qui manges pour toi. Donc, laisse pour les autres. Amen. Amen. C'est toi qui vas pour toi en chouïa, en hérisson, en goutti, en biche, en peu, en porte-pique. Si la porte-pique, là, au piqué d'avoir moins de mourir. J'ai jamais vu une souris. Les sorciers ont dit, il est pas à porte-pique. Va te piquer d'abord, avant de les tuer. Du coup, la nouvelle. Quand vous annoncez une nouvelle à une personne, voyez son attitude. C'est pour ça que c'est pas tout le monde se confie. Il a appris ça. Il a attristé. Il est roi. Il est toi d'un roi. Et Jonathan, mon fils, et mec de l'histoire, il a dit, allez me chercher l'enfant. Si vous me trouvez l'endroit, je viendrai moi aussi l'adorer. Or, c'était pour tuer l'enfant Jésus. 2 ans après,
Il s'est rentré dans la Judée pour tuer tous les enfants. De 0 à 2 ans, parce qu'il a calculé. Il a attendu 2 ans. Est-ce que c'est lui avec qui tu es? Tu le connais mieux. Vous ne connaissez pas les gens où parler. Non, moi je suis quelqu'un, je ne te connais pas, je ne parle pas. Hein. Et puis je ne suis pas obligé de parler trop à toi. Je suis bref dans ce que je dis. Ma vie, c'est ma vie. C'est pour ça que l'État, il y a ce qu'on appelle les secrets d'État. Il y a un hacker américain qui a balancé tous les secrets à Poutine. Sur les réseaux sur Internet. Tous les États-Unis s'est mobilisé, fâché. Parce que même l'État, c'est secret. Pourquoi tu n'as pas de secret? Il y a des gens qui parlent seulement. C'est quand ça te gratte, tu as envie de parler. Si ça reste, ça fait quoi? Il était content parlant de ça. Mais c'est tombé dans l'oreille d'un sorcier. Hérode était sorcier. Or, sorcier dit gâté. Effectivement, il a manifesté sa sorcellerie. C'est pas écrit sur le visage. Ton nom est sorcier. C'est écrit là. Tu n'as pas vu? Ou un tatouage? Je suis sorcier, mon fils. Tu n'as pas vu? Pourri. Tu es parti en plus. Pour aider son comportement. Il ne va plus t'appeler pour dire, mais ce que tu m'avais dit hier, là, viens, on va fêter. Parle plus de ça. Quand tu lui rappelles, ah, c'est le mieux pour lui. Il va commencer à sourire. Oh, puis passe la suite. C'est pour dire, il y a petit quelque chose qu'il fait en bas. Vous l'avez dit. Mais lorsque Saül a rencontré Samuel, les choses ont changé. Amen. Amen. Frère, rencontrez des gens qui vont changer votre destinée. Amen. Rencontrez des gens qui vont changer votre vie. Qui vont changer votre existence. Qui vont changer votre manière de voir les choses. Lorsque Samuel a rencontré, Saül a rencontré Samuel, sa vie a changé. Du coup, il a eu l'onction royale. Ok? Mais en même temps, il a eu une orientation de la part du prophète pour lui dire, tu rencontreras quelqu'un qui t'indiquera le chemin. Moi, je vais rencontrer les gens pour m'orienter sur le bon chemin. Pas les gens qui vont me mettre en retard. Je suis désolé. Ma prière, je vais rencontrer les gens qui vont me faire évoluer dans le ministère, qui vont me faire évoluer dans les affaires. Amen. Non! Que vous voulez ou pas, vous aurez toujours des parasites autour de vous. Mm-hmm. Les gens toujours là, qui sont comme des parasites, qui vont vouloir juste manger et partir. Vous, votre vie, ça ne les préoccupe pas. Mais c'est la manière qu'elles doivent être rassasiées. C'est ça qui va les préoccuper. Vous, ça ne vous intéresse pas. C'est cela que tu as mis un danger dans ta maison, ma fille. Excuse-moi de m'en parler. Tu as mis un danger. J'étais en train de lutter avec ça parce que ton sang a été récupéré en sorcellerie. Et en train de te détruire. Et la personne que tu as, elle est comme ton époux en sorcellerie. Elle est en train de détruire ta vie à petit feu. Demandez à Dieu de vous donner le discernement. C'est le plus grand des dons. Arrêtez pour dire non, non. Demandez à Dieu. Je veux savoir celui qui est celui à qui je vis. Il y a une jeune fille ici, elle a mangé son beau-père, elle a mangé son sarraché. Vous n'avez pas vu ça? Bon, son sarraché, elle a mangé. Elle a mangé. Elle avait mangé son beau-frère. Il a peur, il tremble. On vient de le délivrer. Vous voulez vous marier n'importe qui? Faut voir le discernement. Non, elle est belle, qu'elle marche comme ça, comme ça. Ça me plaît. Et la nuit? La sauce la nuit? Tu serais dans la marmite. Que Dieu nous ait à Bodjama. Ils vont te manger. Quand il a rencontré Samuel,
Il a eu l'onction royale. C'est l'onction d'établissement sur toute chose. Là, tu as les problèmes. Toi, tu la rencontres, c'est là que tu as des problèmes. Rien n'a bougé. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Qu'est-ce qui a bougé dans ta vie? C'est toi qui as toujours sa famille. Quand il est marié, il va aider ma famille. Mon mari va aider ta famille. Mais toi, tu viens pour faire quoi? On dit aide. Aide est une aide. Quand tu rencontres une femme, c'est elle qui va t'aider. C'est pas toi qui as abandonné toute ta vie en train de l'aider. Elle est malade ou bien? Là, tu connais pas le nom de aide. Ça veut dire quoi, aide? On dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Moi, je veux avoir le bonheur. Je ne vais pas passer toute ma vie en train d'aider les gens. Pourquoi? Communauté des biens. Madame, vous venez quoi dans le mariage? J'ai un placali, j'ai un mordu de graines, j'ai un fer, grosse mamie. J'ai fait placali, monsieur le maire. C'est ça, je viens d'en parler. Placali. C'est un placali qui vient dans le mariage. Un bois de placali. Oui. C'est un bois de placali, un marmite. Non, c'est ça, monsieur. On lui déclarait les biens. Monsieur le maire, je suis la meilleure préparée du sangré. Il y a cumbré dedans. Il y a fait, deux faits. Grosse mamie, bois de placali. Je sais faire ça. Comment elle va manger? Hein? Il y a plus long, merci. Un martyr. Pile un martyr. Le même va te gifler. Le mec qui attend l'officier, le mari, va dire, monsieur, le mari est suspendu, allez réfléchir. Allez réfléchir, monsieur. Qu'est-ce que vous avez? J'ai un compte bancaire, j'ai des maisons. Et madame, vous avez quoi? J'ai du fer, et mamie, envoie des placards, je sais faire son grain, il y a du beurre dedans, il va manger. C'est ça. Mais Tati Suzanne sait faire placard au quartier. Un polo, Tati Suzanne elle fait ça. C'est pas cher, c'est 500 francs à polo, un peu de gombo dedans, on mange. Quand Saül a rencontré Samuel, sa vie a changé. Il a eu l'onction royale. Et maintenant, il a eu la visibilité des choses. Sa vie a commencé, il a commencé à voir. Il dit, tu rencontreras quelqu'un pour t'indiquer le chemin. Amen. Quand je suis avec toi, j'ai tous les problèmes. Je suis désolé. Ça va, Awa? Bien. Je suis maintenant devenu ton papa. Moi, je te prends maintenant en charge. Tu vas plus haut. C'est moi qui te prends en charge. C'est moi qui vais t'aider. C'est fini à faire des familles. Toi et moi ensemble. Amen. Bien. Amen. Bien là-bas, tes parents. Vous allez. Elle sait ce que vous l'écrivez. Elle connaît. Amen. Je vais l'aider. Je ne dis pas tout. Il y a trop de RFI. Ils vont écouter tout ça. Le secret, c'est entre toi et moi. Je vais t'aider. Ce qu'on peut un père peut faire pour sa fille, c'est ce qu'il a fait pour toi. Amen. Quand vous rencontrez quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait pour toi? Attention. Tu as rencontré une maplao. Elle va te manger et manger ton papa. Sans crainte. Sans s'arracher. Voilà. Si encore. Vous voulez? Puis à bas. Quand vous marchez avec quelqu'un, vous devez poser la question, on va où? Où je pars, où avec la personne? Elle m'envoie où? Deux personnes marchent ensemble pour s'entendre sur quelque chose. Moi, ce n'est pas une question de famille. C'est les frères de Joseph qui ont vendu Joseph. Je suis désolé. Si vous avez des bonnes intentions, vous allez rencontrer des gens qui ont des bonnes intentions pour vous aider à avancer. Amen. Vous confondez l'amour et les sentiments. Vous confondez deux choses graves. On est sentimental, on sait que le gars il est mauvais, mais j'ai fait quoi? J'ai fait comment? Jésus a dit un jour aux gens, on dit tes frères et tes, excusez-moi, te cherchent.
Il dit, quels sont mes frères? Quels sont mes sœurs? Les voici, ceux qui font la volonté de Dieu. Vous n'avez pas écouté la parole de Dieu? Non, je ne vous sépare pas d'une famille. Je ne dis pas. Mais, ayez le discernement. La jalousie la commence d'abord dans la famille avant d'aller ailleurs. Amen. Le juge de Dogou qui n'est plus prêt pour moi, je ne suis pas prêt pour toi. Tu as commencé par, on va danser la même danse. Je suis désolé. Amen. Amen. Je ne suis pas Jésus de Nazareth. Amen. Dieu même dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, moi Dieu, je te vomis de ma bouche. Amen. C'est ton grâce à ça. Je marche avec toi ensemble. On veut construire une vie. Et puis je découvre que tu ne me fais pas avancer. Il n'a pas continué. Il m'en stoppe. Si je stoppe, parce que tu m'as envoûté. Si je ne prends pas conscience de que avec toi, mais il y a un problème. Puis les gens découvrent que tu ne me fais pas avancer. C'est que tu m'as envoûté. Vous êtes envoûté. Les gens, ils vont bouffer l'argent des femmes. Moi, je suis désolé. Je ne peux pas bouffer l'argent de la femme. Mais la femme doit m'aider à faire avancer mes affaires. Si elle a l'argent, elle n'a qu'à m'aider. Mais moi, prends sa carte, je suis désolé. Je suis un homme. Là où sort l'argent, se trouve le pouvoir. C'est comme ça. Le jeune femme commence à dépenser chez toi jusqu'à... Elle va parler mal sur toi. Je suis désolé. L'argent, ça crée le pouvoir. Il faut laisser appeler les paroles en langue, je vois vision, j'ai vu les démons hier. Il faut laisser ça. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Et le pouvoir du ciel, c'est parler en langue, on chasse les démons. Le pouvoir de la terre, c'est l'argent. Si la pomme prend le temps de t'entretenir, entretenir, toi gaillard, elle pêche au couteau pour toi. On se connaît ici, c'est petit quand le son porte en bas. Là. Les gens, ils la passent, c'est comme pour Bella, c'est déchiré. 500 ans. Heureusement, Dieu merci. Le Nigérien passe à 500. 5 000 francs, t'as combien? 10. Attends, 10. 1 par jour, ça fait 7. Tu as quoi? Tu as quel problème? Oh, les gens, ils aiment pas ça. Quand ils se déshabillent là, quand ils voient les chocolats là, c'est comme pour les Bella. Les Bella, eux, c'est l'argent qui leur intéresse. Ils peuvent payer à Tiki 2 000. Poisson sans frais. Cette odeur de. C'est bon. L'argent. C'est l'argent, vous faites mal. Il n'y a qu'un problème. Quand tu as ta femme, tu vas te dire, oh, je dois m'occuper de ma femme. Mais la femme doit savoir qu'elle est venue pour t'aider. Pour te faire avancer. Est-ce que vous savez que vous, les femmes, là, vous avez un secret que vous négligez? C'est pas à cause de vous, on fuit, on court dans la nuit, même chez un chien, ça nous dit. Non, j'ai commencé à parler. La nuit, on fuit, on dit chien méchant, ça nous dit rien. Mais en réalité, s'il n'y a pas la femme dedans, quand on dit chien méchant, tu as peur. On dit le gars, il est berger allemand, il est dans la cour. Toi, ça ne te ferait pas. Tu veux avoir quelque chose qui est là-bas. Donc le berger allemand, il te dit rien. Souvent, ils sortent, tu dis, stop. Ouais, tu fais tout pour dompter le chien. Ce qui est envoyé vers le monsieur, vers toi, c'est ce qui est en toi. N'est-ce pas? Ok. Toi, tu dois le maîtriser. Ça veut dire quoi? Tu dois le maintenir avec toi. Par ton caractère et ta manière d'être. Sinon, excusez-moi. Ce n'est pas le rapport sexuel, sinon le sexe,
Toutes les femmes ont ça, excusez-moi. Je m'excuse pour tout ça. Ok. Maintenant, il faut qu'il découvre que tu es une mère. Et que tu peux lui dire ce qu'il doit entendre. Oh, c'est ce qu'il ne fait pas. Soit tu es là seulement. Tu l'embrasses seulement. Le reste, ça ne te dit plus. Allons classer. Allons shawarma. On m'a pris. Construis sa vie. Toi, je sais pas pour moi. Hein? Tu n'as pas aidé mes parents. Il faut faire Western Union. Il faut faire tout. Faire soi. Je t'aime beaucoup. J'aimerais que. Et puis il y a des moments où vous devez parler à un homme. Hein? C'est la nuit. Le seul endroit où on doit parler à un homme, c'est la nuit. Ah non, c'est la vérité, j'en dois dire. T'es les gens où cachent les choses. Le seul endroit, c'est là-bas. Tu veux lui dire, c'est vrai, hein? Peut-être que je te gêne. Tu lui finis, il dort. À moins qu'il ait pris peut-être à 3 heures. Tu le réveilles. Tu dis, s'il te plaît, excuse-moi de te déranger, mais parce que c'est sérieux, il faut t'asseoir, il y a des choses à te dire. Il va se lever. Hein? Il va t'écouter. C'est pour ça qu'on est la nuit pour des conseils. Quand tu réveilles un homme à 7 heures, là, il dit, mais à quoi? Il va vouloir monter son orgueil, mais il va t'écouter. Non, c'est comme ça. Tu fais asseoir. Et puis tu lui dis, j'ai remarqué tant, j'aimerais que tant. Moi, voici ma contribution. S'il a peut-être un petit affaire à faire, une petite affaire, tu lui dis voici ma contribution. Symbolique. Si tu as petit argent, tu lui dis voici ma contribution. Tu l'as gagné. Hein? Tu l'as brisé complètement. À cette heure-là, il est plus lucide que jamais. C'est comme pour gagner une femme. Il faut aller payer paille. Tu viens d'acheter paille. À la même heure, tu finis. Tu l'as fait à soi une heure. Tu dis, ma chérie, je t'aime bien. Voici ton paille, voici ton cadeau. Elle va t'écouter. Oh, merci. Tu lui dis, est-ce que je peux te parler, ma chérie? Oui. Tu as disposé son cœur. Quand tu commences à parler, alors tu vas voir qu'on commence à pleurer. C'est vrai. C'est vrai. Tu n'as pas au bouchon. Les femmes se mouchent tout de suite. Il n'y a plus fait. T'es juste. Tu n'as plus recommencer. Il t'est juste. Tu manges quoi le matin? Midi là, tu fais quoi? Tu fais quoi? Elle tremble. Elle devait être gentille. Il faut disposer les cœurs. Le monsieur quitte au travail. Il est fatigué. Le maître, le patron dit, de toute façon, le travail est là. Peut-être qu'on va vous renvoyer. Il a ça dans sa tête. Zadi, tu es guidé où? Tu es guidé où? Non, je n'ai pas eu vite le métro. Toujours c'est toi qui n'as pas vite le métro. T'as pas... Bon, ok. Ta nourriture est sur la table là-bas. Hein? Ah. Faut chauffer. Hein? Si c'est moi, tu attends pour manger. Tu as menti, hein? On chante les chaînes. Voici un film. On regarde le film. Ça dit là. Tu n'as pas mangé. Tu n'as pas faim. Tu n'as pas faim. C'est bon, j'attends. Lui là, tu vas lui dire quoi après? Il va t'écouter. Nia, tu vas lui dire quoi après? Il va t'écouter. Après, pour dire non, le sorcier, il m'a attaqué. Il a attaqué mon mari. Mon mari a fui. À 6 heures, il est parti. Oh, toi-même qui attaques. De la maison même là. C'est toi-même qui attaques.
Si quelqu'un t'a envoyé à la maison, faut le maîtriser. Est-ce que vous savez ça? Si t'as échappé, c'est toi qui as joué. C'est toi qui as voulu quitter. Parce que par moment, il y a des gens qui vous disent, tant, c'est vice versa, c'est comme l'homme et la femme. Qui te dit, voici ce qu'il n'aime pas, fais une fois pour ne pas faire ça. Or, quand tu répètes, quand c'est répété, vous ne pouvez plus entendre. On ne peut pas marcher avec quelqu'un qui va me faire toujours chagriner. Attends de réfléchir. Quand deux personnes marchent ensemble, doivent s'entendre. Moi, je dois marcher sur lui qui doit créer mon bonheur. On ne marche pas n'importe qui. Ça, c'est clair. C'est pour ça que dans le business, on ne travaille pas les parents. Je suis désolé. Il va gâter ton travail. Il va confondre le business et la famille. Moi, il ne faut pas confondre. J'ai envoyé quelqu'un qui va avoir peur de moi. Pas quelqu'un qui va me dire non, si tu sais, je suis dans le truc. Non. Quelqu'un qui va avoir peur de toucher mon argent. On travaille ensemble. Il a peur. Et moi, il sait qu'il ne va pas le trahir. Il ne va pas le trahir, on se met ensemble. Mais quelqu'un qui dit non, il va me faire quoi? Si j'ai bouffé, ça allait où? C'est la famille. Et puis quand il va bouffer ton argent, quand tu vas commencer à parler, on dit mais attends, à cause de quoi? Attends, c'est à cause de l'argent qui peut construire ton frère. Mais bon, l'argent là même. À cause de 100 000, là, il a bouffé, là. Ça fait quoi? Mais s'il bouffe, ça fait quoi? Mais c'est pas pour lui. C'est pas pour lui. Je suis désolé, c'est pas pour lui. Mais vous êtes tombé dans l'erreur. Il y a beaucoup qui sont tombés dans cette erreur-là. Et c'est vrai, on a envie, parce qu'on est beaucoup famille. On est beaucoup famille, on a envie d'aider. Mais en même temps, la personne veut construire sa vie. Elle ne regarde pas, elle se dit, tu as reçu, il faut qu'elle reçue comme toi. Donc elle a un magazine à côté pour te nuire. Je ne suis pas obligé de te prendre en charge. Amen. Je peux t'aider. Un, deux. Mes limites sont trois. Amen. Si j'ai eu pitié, ça fait quatre. C'est fini. Le reste, viens à l'église, vont te délivrer. Amen. Je ne suis pas Seigneur Jésus. Va à l'église, vont te faire délivrer. Je t'ai aidé une fois, ça va marcher. Deuxième fois, ça va marcher. Troisième fois, je vais te faire soi. Vous dites, c'est la dernière fois. Maintenant, il y a pitié qui vient. Quand il t'a donné, je vais parler. Quand c'est fini, c'est fini. Il y a moi, ma femme et mes enfants. Je suis responsable de moi-même, ma vie, celle de ma femme et de mes enfants. D'abord. Amen. J'ai fait ce que je pouvais faire. C'est tout. Je ne suis pas prendre toute ma vie en train de gaspiller de l'argent. C'est du gaspillage. Vous marchez avec qui? Non, c'est bien sûr, c'est bien sûr, c'est la famille. Mais c'est la famille, et puis quoi? Ça veut dire que je dois passer toute ma vie être esclave. Et il y a des gens qui sont comme ça, qui sont esclaves, qui travaillent pour la famille. Ce n'est pas mauvais d'aider les gens. Mais on ne travaille pas pour la famille. On travaille d'abord pour soi-même. Amen. On aide la famille. Ça veut dire quand tu travailles pour la famille, ça veut dire que ton argent va là-bas. Après que tu t'es oublié, tu n'as même plus de maison. Tu ne sais pas ce que tu... Ça ne va plus chez toi. Moi, j'ai une rage de réussite. Ce que Dieu veut de vous, c'est que vous puissiez réussir dans votre vie. Vous savez qu'on appelle la réussite. Vous savez ce qu'on appelle la réussite? Vous savez pas? Quelqu'un qui a réussi, c'est qu'il a laissé un héritage. Il a construit une maison, il avait des biens. C'est tout. On a vu des artistes tels que Louga, qui ont eu du succès. Ils chantent. Mais ils n'ont pas réussi. Tout ce qu'on a retenu de Louga, c'est sa tombe qui a là. Ou bien? Or, Dieu apporte le succès et la réussite. Tu n'es plus là que tes enfants en mangent quoi demain? Le monde retient quoi de toi? Vous pouvez boigner, on a vu. Il a laissé. La fondation Félix Fauboigné, il a laissé des choses qui a fait qu'il s'est immortalisé. Or, nous, les Africains, ne pensons pas à demain. Et c'est dangereux pour nous. On pense à maintenant. Il faut penser à demain. C'est pour ça que les enfants viennent à la seconde position. Lui, il avait parlé. Blacko. On a vu ça. J'ai vu ça aux États-Unis. Il y a la femme, on veut mettre YouTube. Elle dit, il y a YouTube, il y a une fille qui était en Suède, elle est douleur, elle a parlé, tout ça. Elle veut prendre, elle ne moyen pas comment dire.
Elle sait, elle va sur Internet, elle ne mourra pas. Je lui ai dit, il y a un enfant, il faut prendre le petit là. Elle dit, Blaclo, Blaclo, il y a un enfant circoncis, mais pas circoncis, on va couper son truc là. Blaclo, il dit, Blaclo. Je dis, Blaclo connaît. États-Unis, dit Blaclo. Donc elle a donné commande à Blaclo. Boum, on est sur Internet. Et elle dit, viens là. Elle a l'enfant, elle est étonnée. C'est-à-dire, elle vit un enfant, mais ne connaît pas son importance. Elle le voit en Blaclo. Elle voit un petit Blaclo, Denis. C'est-à-dire, il n'a pas dans la parole. Hé, clique là. C'est-à-dire, on ne prépare même pas la relève. Notre enfant ne savait pas qu'il va, il va devenir demain grand. Ça nous surprend. Hey, tu as eu quoi, Ezané? On est surpris. Parce qu'on ne s'investit pas. Or, c'est ce qu'on donne. C'est ce qu'on sème qu'on récolte. Amen. La rentrée scolaire. Que Dieu vous bénisse, parents d'élèves. Pensez à nos enfants. Pensez à nos petits frères. Amenez la récolte. Et c'est bon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça peut aller? Amen. Amenez les enfants à l'école. Nous, on n'a pas cette petite en compagnie, les enfants. Hé! Hey. Il a fini. Il a bâti. C'est la jungle. Vous informez vous. Vous êtes Tarzan. Oh blanc, il prend l'enfant dans la voiture, choco chou. Pas l'enfant. Non, on n'a pas ce temps. Tu as l'enfant, il y a quel temps de parler un Blaclo. Blaclo voyou. Il ne veut pas partir. Quoi? Je suis. Lui-même, il connaît le témoignage de la chose. Mais il va partir. Parce que s'il ne va pas, s'il revient, il va rendre témoignage. Nos enfants, c'est la relève de demain. Amen. Amen. Parlons avec eux. Mais comment on ne nous a pas appris ça? C'est ça aussi le problème. Parce que nous, on nous a formés comme Tarzan, la musclée, ce qu'on veut former les autres. On trouve que non, parler à un enfant, c'est trop fait. On veut le gâter. On ne gâte pas l'enfant. L'enfant a besoin d'un échange, souvent c'est important, du père et du fils, des échanges, d'apporter des échanges. Et ça, c'est important. Pourquoi pour les autres, ils réussissent et pour nous, on ne réussit pas? Parce que l'enfant n'a pas la possibilité de s'exprimer. Il ne peut pas s'exprimer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu marches avec qui? Si quelqu'un ne peut pas me faire rentrer dans le succès, c'est qu'il va me détruire. Amen. Si tu ne peux pas me faire avancer, c'est que tu es là pour me nuire. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je disais l'alliance entre Jonathan et David. Là, je vous enseignerai ça demain. Je vais parler un peu de ça demain pour vous porter les quatre pas. Quand Jonathan a vu David, il a aimé David. Et puis il a tissé une alliance avec lui. Il dit, c'est vrai que mon papa ne t'aime pas. Mais je te donne ma ceinture. Je te donne tout. C'est à partir de là qu'il y a une passation de service entre le prince et David. Et donc David a pris la royauté. Quand Jonathan est mort, David s'est souvenu de qui? Mephibosheth. Qui était à Lodébar. On acclame le Seigneur que vous connaissez. Il s'est souvenu de Mephibosheth qui était à Lodébar. Et Lodébar, c'est la maison d'oubli. Il dit, est-ce qu'il reste-t-il dans la maison de Saül et de Jonathan à qui j'ai envie de faire du bien? Dit, oui, Mephibosheth. Et il allait chercher Mephibosheth qui était vaincu des pieds pour l'amener à la table du roi manger avec lui. Il était étonné. Il dit, non, c'est qui ton papa a fait là? C'est pour cela que je t'emmène là. Les actes que nous posons, pendant nous poursuit, nous en accompagne. Tu marches avec qui? Beaucoup confondez entre les sentiments et la foi. Il fait pitié, hein? C'est lui-même qui va te manger sur ce crème. Il s'est fait sans gré. Ta maman est matou. Tu connais ce plat-là?
le bon cuisinier, c'est lui. Amen. C'est pour cela que moi, je prends du temps, j'observe. Soyez des observateurs. Analysez. Moi-même, du coup, j'ai commencé à effacer beaucoup de gens sur mon Facebook. Ceux qui ne partagent plus mes images, ceux qui sont plus à moi, qui sont figurés, ceux qui sont mes ennemis. Allez. Mes enfants qui m'appellent plus pour dire papa, ça va, je coupe avec eux. Ce n'est pas péché. Si je suis ton papa, que j'ai pris pour toi, tu dois savoir que papa a un ministère pour l'aider. Voilà. Ah, vous avez peur d'entendre la vérité là. Ah. Oui, prophète. Les anges veulent manger. Oh, le prophète, tous les mois, il a problème de facture. Il est possédé des factures pour ne pas le délivrer. Amen. Vous pouvez regarder. C'est la vérité. Ça vaut des sorties, on vous voit ici. Quand il fait un pause, il fait les anges sont là. Oh, le prophète est là, il a tous les soucis, orphelinat, tout ça, tout. Moi, je connais les vrais enfants et les faux enfants. Je connais. Merci pour ceux qui me défendent toujours, pour ceux qui me soutiennent tous les jours. Et merci ceux qui m'ont permis de les connaître. Parce que vous allez voir toujours les familles, les gens qui viennent, il y a des gens qui sont avec vous et il y a des gens qui sont des administrateurs. C'est-à-dire qu'ils vous estiment, ils vous aiment, mais. Et puis à un moment, ils ne sont pas prêts à vous défendre. Ils sont là. Ils ne sont pas les... Un vrai enfant, c'est celui qui est prêt à mourir pour la cause de son père. C'est pour cela que, heureusement que maintenant, je sais où je m'en vais. Quand vous êtes arrivé à ce stade, vous savez faire la part des choses. Un vrai, du faux, Dieu vous amène au succès. Quand, parce que Dieu crée une situation pour que vous constatiez que là où vous partez, là, c'est pas tout le monde qui doit aller là-bas avec vous. Parce qu'à un moment de votre vie, il y a des gens qui doivent faire un pas, et puis après, pour eux, c'est fini. C'est ça que Dieu s'adressait à David, à Abraham. Il dit, enlève l'or de ta vie. L'autre, là, il faut l'enlever de ta vie. Non, Dieu, il est mon neveu, Dieu. Il dit, hé, chasse-le de ta vie. Il y a des gens, dimension de ta vie, ils ne doivent plus te suivre. Là, ils vont te garder. Vous amenez tout le monde dans votre affaire. Le jour où tu manques de discernement, tu es un homme mort. Toi, Jésus de Nazareth. On appelle ça un souper. C'est dîner là, chez eux, on appelle ou manger. C'est un vieux français dans un souper. Tu es en train de souper. Et puis, tu dis, celui qui a mis la main après moi, c'est lui. Je lui dis, non, c'est moi. Il dit, oui, tu l'as dit. Toi-même, tu sais que c'est lui. Puis tu marches à lui. Souvent il dit, Seigneur, toi-même, souvent tu fais les choses. Hein. Et, il dit, Seigneur, toi-même, attends, toi-même, tu fais les choses. Hein. Moi, j'ai vu mon Judas. Nous, même d'où là, on s'est séparés. Ah, Seigneur, tu es pour rien. C'est moi. Il dit, mais tu as dit, c'est toi. Moi, je connais mon ennemi. Non, aimez vos ennemis. C'est dangereux. Vous peut-être ne connaissez pas. Demain, je reviens sur le message. Ah, aimez vos ennemis, c'est ce que ça veut dire. Dans quelle version on parlait? Parce qu'il y a eu grec, il y a eu l'araméen. La Bible, elle s'était traduite en trois langues. La vraie version, c'est quoi? Je vais revenir là-dessus. Vous allez comprendre la définition de ça. C'est-à-dire, toi, tu es mon ennemi, tu vas me tuer. Puis moi, je vais manger à toi, à la maison. C'est ce qu'il a dit. Pourquoi lui dire d'être prudent? Pourquoi il vous demande d'être prudent? Non, pour aimer ses ennemis. Moi, je peux prier pour qu'il connaisse Jésus, mais il ne marche pas mon ennemi. Je suis désolé. Je n'aide pas mon ennemi. Si tu veux, peux prendre le message comme tu as envie de prendre. Dieu dit d'être prudent comme des serpents. Voilà. Lui-même l'a dit, si tu es chaud ni froid, je vous vomirai de ma bouche. C'est-à-dire, si tu marches à peu près comme lui, tu n'es pas vraiment à lui. Moi, quand tu n'es plus à moi, si je sens le froid, tu ne marches plus à toi. Amen. Disons souvent ces messages de réveil là, pour vous réveiller la conscience. Vous allez faire confiance aux gens bêtement, ils ont beaucoup de l'argent. Hey,
chacun son étoile, j'ai ma destinée. On s'est mis sur le même chemin. Quand je constate que toi, maître, ma voix, plus rien. Attends, dégage. Seigneur Jésus, il n'est pas là pour moi, il est pour toi aussi. Il y a des gens qui bouffent autant, ils sont dans votre vie, ils bouffent autant inutilement. Vous constatez qu'après 10 ans, ils ont bouffé votre temps, vous n'êtes rien. Passez ton temps inutile. Oh, c'est ça. Le temps inutile, ça arrivait à Jésus. Pendant qu'il bavardait, il y a des territoires qu'il n'a pas conquis, puis il est mort dans sa vieillesse. Il y a des territoires qu'il n'a pas. Il y a des territoires, tu n'as pas besoin de rester avec quelqu'un. Quand tu constates qu'il n'est plus à toi, laisse-le. Alors, laisse-le. La séparation, c'est Dieu. Tu dis, si ton bras gauche est pour toi une occasion de chute, coupe ça. Si vous voulez prendre le message comme vous voulez, prenez ça comme vous voulez. Mais c'est un message de réveil spirituel, de réveil la conscience des gens. Parce que l'homme, il est hypocrite. Il est d'abord hypocrite pour être vrai. Il vient d'abord pour un intérêt. Moi, j'ai commencé à étudier l'homme. Qui est l'homme? L'homme, d'abord, il est d'abord hypocrite. Dans le faux d'abord, et puis tu découvres sa vraie identité après. Je serai prêt quand j'ai constaté que tu es prêt pour moi. Amen. Je vais donner toute ma vie pour t'aider. Amen. Mais pour l'heure... Comment je crois ça? Depuis que j'ai compris ça, j'avance. Hein. Je pense d'abord à moi, puis j'aide les gens. À moi, aide les gens. Vous pensez d'abord aux autres, avant de penser à vous. Dieu nous aide. Amen. Ah ma fille. Ça va aller. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, ça va aller. Ça va aller. Amen. Amen. C'est ça l'Afrique. On s'ouvre facilement, on ouvre les portes, on ouvre nos cœurs parce qu'on a envie d'être, on aime les gens. Et c'est vrai. C'est comme ça nous descendons après. Alléluia. Amen. Ça peut mettre le temps que ça peut mettre, mais doucement. Le jour que Samuel, Saül a rencontré Samuel, sa vie a changé. Sa vie a changé. Toi, tu rencontres les gens, tu pleures seulement. Mon cœur, il est mort, il est suicidé. Va. Chagrin de cœur, les oreilles s'appellent Goumé Goumé. Ils ont reçu le nom là, Goumé Goumé. Il plaît seulement. Quand Isaac, quand Rebecca est rentrée dans la maison d'Isaac, Isaac a commencé à sourire. Le nom veut dire sourire, il a pleuré seulement parce qu'il a perdu sa maman. Il y a une séparation. Et Rebecca a remplacé la maman et il a commencé à sourire. Toi-même, tu sais que le monsieur qui est dans ta vie, là, il n'est pas prêt pour toi. Tu fais quoi, là? C'est qui est sûr? Il m'attrape la tête la nuit, il me touche. Et après? À cause de lui, il va avoir papier en France. Oh là là, en Europe, papier. À cause des papiers, tu vas avoir un vaisseau. Tu vas avoir un vaisseau. Un vaisseau, tu vas mourir. AVC, là-bas où il y a stress. Là. C'est lui qui va me donner un papier. Ça coûte des papiers. Nia, tu vas mourir. Le Seigneur Jésus ne peut pas donner papier. Oh, c'est lui qui va me donner papier. Oh, la femme te maltraite. Oh. Est-ce que tu as fait la vaisselle? Fais-moi les frites. Tu as eu les couches, les bébés. Viens me faire les pédicules. J'ai vécu là-bas. Viens me faire les pédicules. Bon, c'est pas mauvais. Il peut faire les pédicules, ma femme. Mais tu m'imposes ça. Est-ce qu'il faut enlever les couches du bébé là?
Oui, elle est là, tu regardes. Bah, si c'est elle qui travaille. Toi, poilu, là. Il cherche la maison. Elle a trois dossiers, elle rentre. Pour ton honneur, il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Pas accepter. Un homme dans sa tête, d'abord, il est le chef. Je ne me bats pour qu'il n'ait pas mangé, je me bats pour créer un bien-être. Mais aux joies doit m'aider. Hein. Et Fati, souvent, elle va payer. Mon papa envoyait ça souvent au village. Ma maman attend de construire, mon papa attend de construire. Je vais envoyer, puis le vieux manger l'enfant, l'argent de monsieur à son nom. Non, on se met ensemble pour construire une vie. Quand on est plus près. Parce que quand l'amour est là, frère, vous ne pouvez pas vous mettre là au milieu de ceux qui s'aiment. C'est pour ça que quand vous découvrez l'amour, accrochez-vous. L'amour, c'est réciproque, c'est vice versa. Ça ne doit pas être en sens unique. Amen. Amen. Tu marches avec qui? Je marche avec lui. Pourquoi? Il s'est fait placer. Hein? Bon, il met gombo frais dedans. Souvent, il met gombo djumblé. C'est tout. Et bouche. Ouh, elle parle mal. Mais c'est préparé. Tu choisis quoi? À manger, pour bouche. Moi, je préfère que la bouche soit délivrée. Bouche! Bouche! Une fille qui est venue pleurer dans mon bureau. Papa, papa, mon mari a fui. C'est pas l'Europe où on dit. Pourquoi elle a fui? Elle a parlé. J'ai dit, ah ma fille, moi-même ce que tu as dit là-même. Là. Moi-même là, même si tu me dis ça, j'ai pourri même pour te laisser là-bas. Ta maman sorcière, ta tête, longue tête là, quand elle te parle, tu ne l'écoutes pas. Ma maman, oui, ta mère. Elle dit, je dis ta mère, mais ta mère de dire ta mère. Chez nous, c'est un jour. Oh, c'est pas un jour, elle dit ta mère. Oh non, on voit ça comme un jour. Ta mère. C'est pas un jour. Mais la manière, ça nous énerve. Nous sommes fâchés. Ah, elle dit, ma fille, moi-même là, quand j'écoute ça, là, c'est moi-même là. Ah, j'ai fait petit pas là. Il faut savoir parler. Vous voulez vous marier, mais vos bouches ne sont pas désarmées. Et les femmes veulent forcément commander un homme. Forcer. Moi, les gens, ils veulent brigander. Et la femme. Donne-moi ton argent. Donne-moi ton argent. Tu marches avec qui? Tu es à l'aise quand tu es avec lui? Oui. Tu n'es pas à l'aise? Faut quitter. Tu t'es resté là-bas. C'est ton grand frère ou bien c'est ton papa. Quand tu vas voir ABC, là, il va aller chercher d'autres femmes. Tu marches avec qui? Je veux rencontrer des gens pour nous indiquer le chemin, qui mettront sur le droit chemin. Amen. Vous frottez des gens, ils viennent gâter vos chances. Ils gâtent votre étoile. Vous ne rencontrez pas une bonne femme, elle va gâter votre étoile. Vous rencontrez un monsieur qui est bizarre. Vous savez que les sataniques, là, aujourd'hui, ils sont là, ils vous regardent. Quand ils savent que ton étoile, il vient, il peut mettre 100 000, 200 000 pour coucher avec toi, puis prendre ton étoile, partir ça. Vous savez pas ça? Ah, j'ai rencontré le monsieur, il est gentil, hein. Oh, premier bonjour, c'est 200 000. Ça veut dire même si on est parti. Et on a laissé 5 000. Elle calcule. Le Seigneur m'a exaucé. Oh, le Seigneur m'a éveillé. Le chef de prière. Voilà un témoignage. C'est qu'il a vu en toi étoile. Petit, il va te donner commerce. Lui, il voit ça.
Il est prêt pour donner des millions. Dès qu'il a eu ça, c'est fini. Et puis c'est fini, ta vie se dégrade. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. On va lever, se lever pour prier. On va demander au Seigneur de nous aider à faire des rencontres, des gens qui pourront nous aider, nous indiquer le chemin du succès, le chemin de bénédiction. Nous prions ensemble, Seigneur. Nous prions. On ouvre la bouche, on commence à prier. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te rendons toute la gloire. Merci de te manifester encore et de te glorifier dans notre vie. Et la gloire et l'honneur te reviennent. Alléluia. Merci Jésus. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es tout puissant. Merci parce que tu es tout puissant. Merci, notre Dieu. Priez pour que Dieu vous donne le discernement. Priez pour que Dieu vous donne le discernement. Prions ensemble le Seigneur. Et que Dieu nous donne le discernement. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. J'espère qu'on m'a bien saisi. Amen. J'entends pas bien les amen. Amen. On m'a bien saisi. C'est une question banale peut-être, vous avez trouvé peut-être ça banal, mais c'est utile par rapport à ce que je vais vous dire. Monsieur, coupe ton téléphone. C'est utile par rapport à ce que je vais dire. Qui sait quand il va mourir? Qui connaît le jour exact de sa mort? Répondez-moi. Si on venait de dire demain, hein? On dit, il y a trop les on dit, prière la moyenne, pas ça. Quand on ne sait pas quand on doit mourir, non, il faut savoir comment tu marches. C'est ta manière de marcher qui peut apporter une longévité comme courte vie. Amen. Comme tu ne sais pas, tu peux marcher avec un danger sans le savoir. Je vous savais, quand tu marches, il faut passer à tout ça. Comme je ne sais pas quand je dois mourir, je ne sais pas. Peut-être lui, là, pendant que je dois lui, qu'il est sorti, il peut me tuer en rêve. Pendant que je fais mon concert jazz, lui il est en train de faire marmite, manger la qualité. Ah, les gens quand ils ronflent là, c'est concert, tu demandes le ticket là, c'est combien? Bouteille. Je vais écouter le concert, c'est trop intéressant. Il y a batterie dedans, il y a guitare, solo, dedans, tout ça. Quelqu'un il est sorti, tu dois près de lui. Quand il est réel, c'est pas vient de la vue. Et quand on voit Vienne, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour manger. Pour manger. C'est pour cela que la prudence, ce n'est pas une faiblesse. L'homme prudent, c'est celui qui va très loin. Amen. Amen. Celui qui arrive à ce stade, Dieu créera en vous le discernement. Amen. Plus vous devenez prudent, plus vous avez le discernement. Amen. Quand je crois à quelqu'un, je crois à la personne de tout mon cœur. Parce que je sens la personne qu'elle mérite ma confiance. Mais dans un premier temps, je vais douter de toi d'abord. Parce que l'homme d'abord
Il est de nature hypocrite. Il vient pour quelque chose. Il vient pour lui. Si je découvre là qu'il est là aussi pour moi, pour m'aider à avancer, ok. On mettra les mains dans la main pour avancer. Sinon, il est même pas même moi, ça me dit rien. Je suis désolé. C'est Caïn qui a tué Abel. C'est Caïn qui a tué Abel. Même père, même mère. La première histoire de la sorcellerie est commencée par là. À cause de la jalousie. Ça commence dans la famille. C'est Caïn qui a tué Abel. Attendez. Tout ça, que je ne me fais pas des amitiés. J'ai des collaborateurs. Mais être intime, je suis désolé. Il est intime. Parce que quand je partage les choses secrètes à toi. C'est pour ça que Jésus, il avait 12 disciples, mais il avait la classe des intimes. Il avait Jacques, Jean et Pierre. C'est les trois qui ont vu la transfiguration. Ce n'est pas tout le monde devait vous confier. Je vis à lui, qu'est-ce qu'il m'a apporté? On est ensemble, ça fait quoi? La jalousie, là, c'est d'abord dans la famille. Caïn qui a tué Abel. Si vous avez cette révélation, vous allez avancer. Depuis, il a commencé à être prudent. Et quand vous allez commencer, ils vont dire, tu te mets, tu fuis, tu rejettes ta famille. Ils vont te dire, tu réunis ta famille. C'est ça qui va commencer. On dit, tu les réunis. Non, je ne les réunis pas. Je suis dans une position où je pense que ma vie, elle a besoin d'être sécurisée. Et c'est celui qui est plus proche de moi qui peut me vendre. Comme les frères de Joseph qui l'ont vendu. L'histoire est là. On ne peut pas troquer l'histoire, c'est là. Mais quand je constate que toi, mon frère, tu me défends. Mes ennemis, là, tu es prêt, tu me défends. Même quand je ne suis pas là, tu les défends, mais tu t'entends mes ennemis. Ceux qui parlent mal de moi, là, tu es d'accord avec eux. Ça veut dire que vous parlez la même, vous avez le même langage. Amen. Qui marche ensemble se ressent. Quand je découvre que ceux qui ne m'aiment pas, tu t'entends avec eux. On n'est plus ensemble. À bon entendeur. Salut. La Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, ah, ce que Dieu dit à l'esprit. Aux églises.